Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo LOL Surprise OMG avec le coffret Remix Super Surprise. Vous avez à l'intérieur 8 poupées, 70 surprises. Sur le côté de la boîte, vous retrouvez les logos, ici 70 surprises, des balles de groupe rock. Vous avez ici les 4 LOL OMG et ici les 4 petites sœurs. Vous avez 4 instruments de musique. Alors la boîte est énorme, regardez ça. On a même ici une anse en plastique rétractable. Voici le côté de la boîte avec les logos. L'arrière de la boîte, vous avez exactement la même chose. Je pense qu'on ouvre par le dessus comme cela. Waouh! Waouh, 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 regardez ça! Donc, c'est trop beau. On a un poste Hi-Fi avec ici un lecteur de cassette audio. Alors, ici, j'ai l'impression que vous avez la notice. On va regarder ça pour commencer. J'ai un petit bouton qui est parti. Normalement, ça se met comme ça. Alors, il y aura bien sûr, comme d'habitude, avec les petites sœurs, avec l'eau. Bon, voilà, ça, je vais pas le faire parce que ça va durer trop longtemps. Comment mettre les instruments, déballer, voilà, il y a un ordre. Oh, regardez ça, c'est trop, trop beau. Ah ouais, donc vous avez un ordre pour ouvrir. Guide des chiffres, ok. Donc, vous avez ici tous les chiffres donc pour ouvrir. Et vous en avez vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, du coup, c'est parti. Le numéro 1 est ici. Vous avez un bouton comme le volume, vous savez, avec un cœur brisé. On retire le numéro 1. J'ai un petit peu abîmé la boîte parce que je ne savais pas comment faire. Un petit sachet ici. Alors, des petites chaussures donc pour les petites sœurs de couleur verte et noire. Oh, punaise. Numéro 2. Vous avez, je pense, encore des petites chaussures, des petites bottes noires et roses. Alors, le numéro 3, il est là. On tourne, tout simplement. C'est pratique. Alors, j'aime beaucoup hein, la façon d'ouvrir. Qu'est-ce que vous avez? Oh, une petite guitare, donc pour la petite sœur. Très, très belle, avec du rose, du noir, un cœur. Alors, numéro 4, on tourne comme cela. Et vous avez une autre guitare, rouge, noir et doré. On continue à tourner pour le numéro 4. Oupsie. Le voilà. Et vous avez, alors là, d'autres instruments de musique tout dorés, très jolis. Alors j'essaie d'obtenir le dernier ici. Et vous avez un dernier instrument. Oh punaise, je fais tout tomber. Et voici le dernier instrument pour les petites sœurs. C'est très très bien fait, super détaillé. Et en plus, ah ouais, carrément. Et vous pouvez même le poser. Très pratique. Hop, numéro 7. Alors la suite des petites chaussures. Trop trop jolies, avec des taches léopard, je dirais. Numéro 8. Oh! Mais ici, des bottes pailletées, toutes noires. Numéro 9, c'est ici. Alors, qu'est-ce que l'on a dans ce sachet? Waouh! Alors, des lunettes de soleil, magnifiques, avec un éclair argenté. Oh, elles sont très très belles. Alors, numéro 10. Oh, regardez-moi ces lunettes. Il y a écrit Bad Girl. Elles sont comme des goulinantes, vert transparentes. Je les adore. Ensuite. Oh, mais les lunettes sont vraiment très très belles. Hein. Regardez celle-ci. Vraiment classe. Et enfin, ici, vous avez. Ça, c'est pour les cheveux. C'est une sorte de diadème. Qui est très beau, tout doré. Allez, on a fait jusqu'à 12, maintenant numéro 13. Alors, j'ai pas trouvé le 13, le 14. Alors, selon moi, regardez sur le dessus. Alors, je sais pas si vous allez voir. 13, 14, ils disent de tourner. Donc, je pense c'est juste faire ça. Et faire ça. Je pense, hein. Parce que j'ai pas trouvé de numéro 13 et 14. Alors, ils disent maintenant le 17. Alors là, c'est ici. Et à l'intérieur, vous avez, waouh, une guitare. Oh, elle est trop belle. Et on peut l'allumer.
Donc je ferai ça par la suite, à la fin de la vidéo. En tout cas, nous avons des touches. Donc il y a sûrement plusieurs sons. Il y a 6 boutons ici, donc je pense 6 sons différents. Et elle est juste sublime, comme vous pouvez le voir. Ensuite, le 18. C'est le tiroir en bas. Alors, on retire le papier. Waouh, des petits tambours, là. Donc, deuxième instrument avec de la musique. Et ça, c'est pour mettre à la poupée, pour faire tenir. Et vous avez ici un autre accessoire. Il y a même plusieurs. Ah ouais. Il y a beaucoup de choses. Le petit haut-parleur ici. Et vous avez 6 sons. Alors le 19, c'est ici. Alors comment ça marche par contre? Plier la plateforme. Oh, ok. Chaud devant. Ouais. On retire ce tiroir en plastique. Ça, c'est bien qu'ils sont en plastique. Vous avez carrément une scène ici. Et du coup, vous avez accès numéro 20. Vous avez... Oh là là, c'est trop bien fait. Un grand sachet, assez lourd, je dirais. Et vous avez la petite sœur. Trop mimi. Alors, le 21. Alors, vous pouvez tourner en haut. Il y a des petites manivelles, mais vous pouvez faire directement comme ça. Hop. Regardez celle-ci, on aurait dit une Lady Gaga, ça me rappelle franchement un de ses clips. C'était pas téléphone, je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Ensuite, le 22. Waouh, elle a déjà les boucles d'oreilles, elle. Stylé, hein, les vêtements et tout. Donc ça change, hein, les couleurs avec de l'eau. Je le ferai pas dans cette vidéo, mais ça change. Hop. Et enfin... Waouh. Elles sont très réussies, hein, les petites sœurs, je trouve. Ok, donc on a fait jusqu'à 23. Vous n'allez pas voir. Il y a écrit 24. Et vous avez... un sachet avec, qu'est-ce que c'est? Un serre-tête magnifique, waouh, c'est trop joli, j'adore. Le 25, il est là. Waouh, la casquette, oh mais elle est trop belle. Regardez ça, mais elle est vraiment trop classe, hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau, admirez, mais admirez. Waouh, toutes les petites facettes. Bah, ils ont fait un travail de fou, comme d'habitude. De toute façon, maintenant, on commence à avoir l'habitude. Alors, ensuite, on va passer au 26. C'est sur les cassettes, là. Voilà. Alors, pour y accéder... Oh, finesse. Ne me dites pas qu'il faut... Oh, c'est triste. On doit les ouvrir, comme ça. C'était joli, en plus, c'est dommage. Et on a des titres, hein, Rock Anthems, par exemple, ici. Et à l'intérieur... Qu'est-ce que l'on a? Alors, premier vêtement. Alors, c'est une jupe, j'ai l'impression. En tout cas, ça se met à la taille, je pense. Et regardez, c'est trop beau. Alors, le 27, c'est là, la cassette, il y a écrit guitar riff. Alors, désolé pour mon anglais. Hop, à chaque fois, je m'excuse pour mon accent anglais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, les vêtements. C'est une tuerie. Regardez ça. C'est magnifique. J'ai jamais vu ça dans les poupées. En fait, c'est un haut. Alors, par contre, j'ai l'impression que ça va bien s'abîmer. J'ai l'impression que ça va se décoller. Bon, j'ai l'impression que c'est juste des manches. Voilà. On verra ça par la suite. Alright. Alors, la suite. 28 Alt Tracks. Alors, c'est une jupe avec écrit Running Extra. Ouais. Il y a même une petite chaîne ici. Magnifique. Ensuite, 29, il y a écrit Bass Jams.
Oh punaise, alors cette tenue est juste sublime. Oh, petites épaulettes, regardez ça. Oh, le détail. C'est incroyable. Allez, numéro 30. Waouh. Alors, qu'est-ce que c'est? Un petit cachet polo ou une jupe? Alors, je pense que c'est une jupe. Alors, elle est super détaillée. Regardez, vous avez de la dentelle. C'est assez impressionnant, en fait. Waouh. Elle est juste sublime. Allez, 31 Guitar Grooves. J'ai l'impression que c'est une petite veste. Il y a des paillettes partout. Waouh. Numéro 32. Alors, c'est une ceinture, mais ce n'est pas sûr. On verra ça par la suite. Il y a beaucoup de chaînes dessus. Numéro 33. Oh là, alors on a pas mal de choses. On a une petite veste transparente et verte. Et on a ça. Je vois le numéro 34 là-bas. Oh, regardez. On a encore plein de petites boîtes sur le côté. Et on a le numéro 35 ici pour révéler Metal Chic. C'est parti. Waouh. Alors, voici la poupée. Alors, je vous montre déjà à quoi elle ressemble, comme cela. Vous avez ici un socle transparent. On peut faire déjà une remarque, les socles ont changé. Regardez la base. Alors, j'aime énormément le petit changement, comme ça. Très sympa. On n'a plus la deuxième pince qui faisait office de siège. Il y a juste la pince normale. Alors, on va regarder son visage de plus près. J'aime énormément les cheveux, les deux couleurs, noir et rose. Les petits sourcils sont noirs. On a du maquillage rose sur les paupières supérieures. On a des grands cils ici. Un rouge à lèvres noir. Alors, voici sa petite tenue de base. Assez sympa, j'aime beaucoup les petites épaulettes, les manches ballons comme ça. On a des petites coutures argentées. On a écrit Supersonics dessus. Et là, vous avez des petits bas en forme de toile d'araignée. Bah, ça tombe bien pour Halloween. Donc voilà. Alors, on va passer maintenant au numéro 36. Alors, logiquement, le numéro 36, c'est Bad Girl. Alors, elle est ici. Elle est cachée. Il faut retirer là. Waouh ! Regardez. Alors, j'aime énormément les fonds ici. Vous pouvez vous en servir pour faire des photos. C'est très, très joli, très coloré. Et donc, voici la poupée. Donc, je vais retirer, comme la précédente, les petits fils. Et je vous la montre de plus près. Donc, voilà ce que ça donne. Elle a exactement le même socle. On va regarder son visage de plus près. Alors, j'adore les cheveux. Ils sont super doux. Un jaune très fluo et du noir. On a une frange. On a un élastique avec une queue de cheval. Voici les sourcils, rayés, jaune et noir. Un maquillage avec du gris, du jaune, les yeux bleu foncé et un rouge à lèvres bleu. Enfin, on a une sorte de contouring. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et l'intérieur est plutôt violet, mauve. Sinon, voici sa tenue, donc avec des barésilles. Elle a des petites mitaines. Alors, est-ce qu'on peut les retirer? Non, je pense que c'est pas directement, mais c'est en relief. Et vous avez des bagues avec écrit Bad Girl. Ouais, il y a écrit Bad. Alors, c'est tout petit. Bad d'un côté et Girl ici. Voilà. Et vous avez numéro 37 et 38 ici. Donc, on a des petits tiroirs. Donc, on peut retirer directement. Enfin, c'est même pas des tiroirs. J'ai l'impression que c'est des boîtes carrément. Alors, on a quoi ? Ah, c'est pas fini, bah oui, il y a les bottes aussi. Waouh, elles sont trop trop belles, ces bottes. Alors, je pense que c'est pour elle. Elle tient pas bien. Allez, 38. Oups, j'ai fait tomber quelque chose. Alors, je pense que c'est pour celle de droite. Du coup, voilà ce qu'on avait à l'intérieur. Donc, des petites bottines. Et on a ça. Alors, ensuite, le 39. C'est ici.
Alors, vous avez un tout petit sachet avec la tenue de la petite sœur, Bad, et à l'arrière, il n'y a rien. Ok. Oh là, c'est grand ça. C'est énorme. Oh, regardez ça. Waouh, alors je pense à l'instrument là. Oh punaise, mais c'est juste trop trop beau. Il y a 6 boutons aussi. Voilà. Puis il y a de la transparence, on voit même les fils à travers. C'est impressionnant. Hein. 41. Bon, je destroy la boîte, c'est pas grave. Hop. Et là, on a quoi? On a une brosse. Cool. On met ça là. Alors, ensuite, 42. Donc, c'est ici. Avec une petite tenue, comme cela, de la petite sœur Baby. 44. Ah non, 43, pardon. Je saute des étapes. 43. Un petit biberon. Trop mignon. Regardez, missing. Et on a un petit animal dessus. Trop joli. 45. Qu'est-ce que l'on a? Alors là, ah, c'est une sorte de corset. Ça, c'est pour la grande. 46. On a plein ici. Il y a plein de petites surprises. Alors là, c'est tout petit. Qu'est-ce que c'est? Faut pas perdre. Des tout petits bracelets. Mais vraiment tout petits. Je sais même pas si c'est pour les grandes sœurs ou les petites. Alors, on est à où? 47. Oh là là, c'est tout petit aussi. Donc faites gaffe quand vous ouvrez. Parce que là, c'est, je pense, un petit collier. Tout petit, petit. 48. Une brosse rose. Il y avait autre chose qui est tombée, justement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'il y avait une boucle d'oreille avec. Faites attention quand vous ouvrez. C'est vraiment tout petit. Alors attention, quand vous ouvrez, la deuxième était par terre. Donc c'est un petit clou, c'est la même chose. Ok, je vais faire attention maintenant quand j'ouvre. Donc là, 49. Ah oui, il y en a plusieurs choses. Donc là, je pense que c'est des colliers. Ah là là, après, il faudra toutes les habiller. Il y aura pas mal. Hein. Et enfin, la 50. Un biberon. Allez, on passe à la suite et c'est ici. Waouh, alors on va commencer par 52. Waouh. Alors, elle, je l'adore, je vais vous montrer pourquoi. Déjà, la coiffure est géniale. Il y a énormément de volume, les couleurs sont trop trop belles. Je sais pas si vous voyez, mais c'est très brillant. Alors, le maquillage au niveau des paupières aussi, je suis trop fan. Elle a un rouge à lèvres marron pailleté, très joli. J'aime beaucoup sa tenue. Donc avec les petites taches comme ça. Et du rési, mais un rési très beau, avec des jolis reflets dorés. Ce que j'adore, c'est la main droite. Elle est façon robotisée, j'ai l'impression. Voilà. Enfin, c'est un gant, mais ça fait un peu robot. J'aime beaucoup. Sinon, elle a du vernis doré sur l'autre main. Allez, on va dévoiler Fame Queen. Attention. Waouh, magnifique. Bon, elle, je l'avais déjà dit dans mes anciennes vidéos, mais pour moi, c'est Lady Gaga, complètement. Il y a énormément de points en commun. Je vais vous montrer aussi un truc que j'adore. Alors, déjà, la coiffure est sublime. J'aime beaucoup. Alors, les sourcils sont marrons. Le maquillage est bleu. On a même un petit tracé de paillettes. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. On a ici un éclair, donc ça fait penser à Lady Gaga, il y avait eu ça. On a des paillettes sur les lèvres, là j'adore. On a aussi un bras robotisé, mais vraiment énorme, ça fait tout l'avant-bras et la main. C'est vraiment trop trop classe. Sinon c'est du vernis argenté sur l'autre main. Ici, les collants sont très très beaux. Le 54, c'est parti. Alors, oh, on a pas mal de choses d'ailleurs dans celui-là. Oh là là. Donc je pense que c'est pour elle. Donc vous avez ça et vous avez ses chaussures. Magnifique. Mais vraiment trop trop belle. Hop.
Oh punaise. Alors là, bon, je pense que ça va être ma préférée. Mais la tenue. Oh, les bottes. Waouh, une armure. Là, on a une armure. Carrément une armure. D'accord, mais juste sublime. Et les bottes sont une tuerie. Regardez les couleurs. C'est trop beau. On a même des petits clous ici. Waouh, trop classe. Alors, on a fait jusqu'à 55. Le 56 est sur ce mur. On a une petite connaissance Kitty Kay ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Faire attention. Oh là, une petite tenue pour la petite sœur. Hop. Alors, j'ai déjà mis pour les deux autres sœurs, hein, les tenues, mais je vous montrerai par la suite. Hein. Mais j'ai pas mis encore pour les autres grandes sœurs leurs tenues. Je vais faire ça après. Mais je vous montre tout en détail. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, je destroy. Je pense pas que je vais garder. Par contre, je vais garder les fonds. Ça peut resservir. Alors là, on a un instrument. Oh bah, c'est celui de Lady Gaga. Hein. Oh là là, je sais pas si c'est mon préféré, mais je l'aime énormément. Non, mais il est trop beau. Waouh. Puis on voit tout l'intérieur. On voit qu'il y a trois pins en tout cas. Bon, je vais pas l'allumer maintenant, hein, on va attendre vers la fin. Un peu de patience. Numéro 58. Qu'est-ce que... Oh là là. Oh, bon, ça c'est une référence à Lady Gaga aussi. Un de ses clips, le cœur. Qu'est-ce que c'est beau. C'était Alejandro. C'était ça. Je pense que c'était ça. Corrigez-moi les fans de Lady Gaga. J'adore Lady Gaga, mais je suis pas super fan, donc je connais pas par cœur les titres. Mais je crois que c'était ça. 59. Waouh. Bon. Cette vidéo doit durer très longtemps. Il y a tellement de choses. Alors, la tenue de la petite sœur. Hop. 60. Ça, c'est le biberon. Voilà. 61. On arrive bientôt à la fin d'ailleurs. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? C'est trop beau. Oh, il y a tellement de choses à mettre. 62. Ça doit être la brosse, vu la taille. Ah, alors attention, hein. Quand vous ouvrez, des fois, il n'y a pas que une seule chose. Là, il y a les boucles d'oreilles qui sont coincées dedans d'ailleurs. Voilà, alors à ne pas perdre. Et la brosse rouge. Ensuite, 63. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un collier, je pense. Difficile à faire les mises au point. 64. Hop, je retire directement, je vais pas vous montrer à chaque fois. Parce que ça dure tellement longtemps. Je crois que c'est juste un bracelet. Si j'en ai pas perdu un en cours de route. 65. Donc une brosse grise. 66, les lunettes de la... que je fais tomber, de la petite sœur, voilà. Et enfin 67, alors est-ce que c'est le dernier? Le biberon, avec écrit pop dessus. Ok, moi ce que je vais faire, je vais les habiller toutes, je vais vous montrer en détail le résultat et bien entendu tester les instruments pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai mis tous les accessoires, les vêtements, les instruments. Alors c'était super long. Avant de vous montrer les LOL OMG, je vais vous montrer les petites sœurs. Alors, elles sont au fond, vous pouvez les exposer de cette manière, c'est vraiment génial. Alors voilà, je leur ai mis leurs vêtements, je pense que ce sont ces lunettes, mais j'ai pas vu dans les dessins, voilà. Mais je pense que ce sont ces lunettes, ça ressemble. Il y a les petits biberons à côté, voilà ce que ça donne, c'est super sympa, j'adore leur look et ça va très bien avec les grandes sœurs. Ce qui est génial, c'est aussi, vous pouvez les faire tourner comme cela, vous pouvez faire une entrée sur scène, ça peut être très sympa. Allez, on va commencer par elle. Hop, c'est parti. Alors ici, un petit accessoire à pic. Les lunettes, qui lui vont super bien. Elle n'a pas de boucle d'oreille. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à cause de ça, mais on a sa petite veste à clous. Donc là, on le voit ici. Alors faites attention, il y a plein de clous qui tombent. Il y a même les accessoires d'elle aussi qui tombaient pas mal. Je lui ai mis son collier ras le cou. Alors, elle a sa petite jupe aussi.
Je lui ai mis ici ses baguettes, voilà. Comme ça, c'est super sympa pour ne pas les perdre. Je lui ai mis ça, on voit pas ses chaussures. Donc elles sont, mais je vous ai montré juste avant, donc c'est pas trop grave. Maintenant, on va tester l'instrument. Allez, c'est parti. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Voilà, très sympa. On va passer maintenant à elle. Ici, je lui mets son diadem, mais j'ai mis sur le côté. Alors, j'ai l'impression qu'on le met plus sur le côté que sur le devant. Mais bon, sur le devant, ça va bien aussi, mais là, ça ressort plus. Les boucles d'oreilles. Ici, je lui ai mis son collier à le cou, sa petite veste. Ici, pour les bras, les avant-bras. Ici, très joli. On a une ceinture avec des chaînes que j'adore. Donc, la guitare, bien entendu. Ce que j'aime aussi, bah, en fait, c'est ça. Voilà, que vous rajoutez par-dessus. Mais bon, ça cache encore les chaussures, mais j'aime beaucoup le style. Franchement, magnifique. Enfin, je crois que c'est une basse que ça s'appelle. C'est parti. 1, 2, 3. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Et à la fin, je ferai, bah, en fait, l'orchestre, enfin, les quatre en même temps. Alors, pour elle, on a sa casquette. Ce que j'adore, ce sont ses cheveux, ils sont très épais. Par contre, ça cache un petit peu les boucles d'oreilles, malheureusement, qui sont magnifiques. J'adore, hein, les lunettes, hein, façon Lady Gaga. Ici, le cœur, donc, avec une petite armure qui est cachée à cause de la veste, malheureusement. Il y a beaucoup de choses cachées avec cette poupée, ce qui est vraiment dommage parce qu'elle est tellement belle. Après, vous pouvez retirer, mais c'est pas évident. J'ai peur d'abîmer, c'est ça justement qui tombait. Tous ces petits. Je sais pas comment on appelle ça, petits strass. Le gant est caché, là, enfin, le bras mécanique, c'est dommage. Alors, ici, vous avez une partie de jupe, voilà, qui est magnifique, justement. Donc, l'armure, comme je vous ai dit, est cachée. Mais bon, là, vous la voyez un petit peu, mais elle est magnifique, cette armure. Donc, vous avez ici le haut et ici l'armure, le corps, on va dire. Voilà. Ensuite, vous avez les bottes qui sont magnifiques. Et enfin, la guitare. Enfin, c'est un synthétiseur plutôt, je dirais. Enfin, je suis nul en instrument, donc corrigez-moi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, ça fait gaga, hein, et c'est blabla à la place. Oui, bon, c'est super inspiré à 100%, hein, Lady Gaga. Allez, on termine par elle, que j'adore aussi au niveau du style, qui fait très J-Rock, je trouve. Voilà, très à la japonaise. Déjà, le serre-tête, ça fait très Halloween. Je l'aime énormément. Alors, les boucles d'oreilles, elles, c'est les petits clous. Voilà. Les lunettes, moi j'aime énormément ces lunettes, ça fait un petit peu chauve-souris, je trouve, la forme. Alors, par contre, vous allez rien voir, mais ici, on a une sorte de veste, enfin, il y a les manches. Ça tombe énormément, j'en ai perdu plein en mettant, c'est tellement pas évident. Alors, ce qu'on a, on a un corset qui se retire très facilement à cause du socle, donc faites attention. Voilà, j'ai réussi à le remettre. On a sa jupe qui fait encore très kawaii Lolita. Ensuite, alors ça c'est une guitare, je pense, une guitare électrique. Mais je sais pas s'il y a un nom quand c'est comme ça. Je sais pas du tout. Elle est botte, qui fait un peu Dracula, je pense. Voilà. Alors, on va la tester, je crois que j'ai rien oublié. C'est parti, numéro 1. 2. 3.
4, 5 et 6. Ah, c'est très rock, hein. Bon, on va se reculer. Je vais essayer de faire les 4 en même temps. Ça va être très très dur. Il y a 6 rythmes, enfin 6 airs. Bon, il y a un décalage, je crois que j'en suis au 4. Bon, c'est pas évident, j'en suis au 5, alors j'essaie de faire les deux en même temps. Là. Pas mal, pas mal. C'est très bien. Là, c'était presque parfait. On va essayer de faire le 6 très rapidement. Allez, 1, 2, 3. Bon, il me faudrait une deuxième personne qui appuie en même temps pour être synchro. Ça serait vraiment génial. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Elle a duré super longtemps. Ce coffret est complet, il coûte super cher, mais il est de très bonne qualité, les poupées sont magnifiques, je pense que ce sont les plus abouties, hein, les Rubix. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour voir les photos en détail. Activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. On se retrouve pour plein de nouvelles vidéos. LOL, surprise, à bientôt, salut !